Bonjour à tous et bienvenue à la journée de la petite laine. Je vois que tu portes de la laine synthétique, toi, aujourd'hui, Monsieur Eric. Moi, pour ma part, ben, c'est de la laine, là. C'est la journée de la petite laine. C'est un petit peu plus froid, donc on a enfilé notre beau chandail de laine pour se réchauffer aujourd'hui. Donc, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour un quiz K-out qui portera sur l'énergie au Canada. Donc, si on fait cette initiative-là de la journée de la petite laine, c'est parce qu'on veut vous sensibiliser à l'importance de réduire votre consommation d'énergie dans la vie de tous les jours. Et justement, le quiz portera sur ça. Toi, est-ce que tu te considères un expert de la consommation d'énergie, si on peut dire, Monsieur Eric? Particulièrement, non, mais je suis amateur de l'éco-responsabilité. Et comme vous le voyez, amateur de moustache aussi, toi, Monsieur Eric, je vois que tu es plutôt la pleine barbe. Amateur de barbe, ça me garde au chaud aussi, comme une petite laine l'hiver. Donc, si vous êtes prêts, on va vous partager le code pour accéder au K-out à l'instant. Le voici, le voilà. Rendez-vous sur le k-out.it et le code sera le 811-60-80. J'en profite également pour vous rappeler la netiquette dans les commentaires. S'il vous plaît, communiquez en français et dans le respect. Si vous dérogez ou si vous ne respectez pas ces règles, on va vous retirer de la section commentaires assez rapidement. Merci. Donc, branchez-vous. On voit qu'il y a plusieurs personnes. Et on remarque aussi que le générateur de nom automatique a été activé. Donc, vous allez être un animal ainsi qu'une petite description pour l'animal. On va découvrir ça ensemble dans quelques instants. Et ce qui est le fun avec le générateur de nom automatique, Eric, c'est que c'est vraiment un exercice de traduction sur le spot pour nous. Et toi, t'es particulièrement bon pour faire la traduction extrêmement rapide. J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas faire aujourd'hui et si je suis capable de vivre à la hauteur de tes capacités de traduction. Effectivement, ça prend beaucoup de connaissances des noms d'espèces dans les deux langues. Des fois, c'est plus difficile que d'autres. Tu sais, un lion en français et un lion en anglais, c'est assez similaire. Mais des fois, c'est un peu plus difficile. Donc, on va laisser encore quelques instants aux gens pour se brancher. Donc, on va en profiter pour vous faire jouer de la musique rêverie. Donc, ça vous permet de rêver à l'énergie au K-out. Les gens continuent d'affluer. Ça rentre au poste. Vous allez être plusieurs à participer à ce K-out spécial énergie. On débute ça dans quelques instants. Et une mention spéciale, un merci, je devrais dire, à tout le monde qui participe aujourd'hui. On est vraiment content d'être là avec vous et on a hâte de commencer ça. Et si vous êtes en salle de classe, enseignant, enseignante, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires pour nous dire où est-ce que vous êtes, à quelle école, quelle classe. Ça nous fera plaisir de vous lire et peut-être d'afficher à l'écran et de vous saluer pendant le K-out. Il y a environ une douzaine de questions. Donc, on continue d'attendre. Si on voit que ça arrête auprès de 355, on va commencer. Là, ça sera pas trop long. Dans 5, 4... 3, 2, 1, t'es prêt, Monsieur Eric? Prêt comme un gars qui est prêt. Et on commence à l'instant pour le quiz qui est l'énergie dans mon pays. Question numéro 1 dans 3, 2, je m'en fais 0, c'est parti. Quiz l'énergie dans mon pays, testez vos connaissances sur l'énergie. Fait que les amis, placez en ordre croissant de consommation d'énergie par personne les pays suivants. Donc, on veut savoir quel pays consomme le plus d'énergie parmi les quatre pays suivants, soit le Canada, les États-Unis, le Japon ou l'Égypte. Répondez rapidement. Comme vous le savez, K-out, plus que vous êtes rapide, plus que vous avez de points. Donc, si vous voulez vous retrouver sur le podium, vous savez quoi faire. Gardez en tête que, tu sais, en Égypte, il n'y a pas nécessairement la neige et le froid qu'on a au Canada, mais faut éclairer les pyramides le soir. Ça prend beaucoup d'énormes lumières, n'est-ce pas, Monsieur Eric? Effectivement, c'est vrai, ça, c'est un fait absolu sur les pyramides. On vous donne environ 30 secondes pour répondre. On voit qu'on est rendu à 305 réponses. Environ 350 qui participent aujourd'hui. Donc, ça s'accroche aujourd'hui, Monsieur Eric, des réponses rapides. Exactement, très rapides. Donc, on peut, en attendant, saluer la 5e et 6e de Gabriel Roy et Madame l'enseignante Sophie-Anne Charon. Bonjour à vous. Quelqu'un qui vous salue dans une autre école, Philippe Drouin, qui dit « Bonjour, Madame Sophie-Anne. » Philippe Drouin!
de la confrérie dans les commentaires. Regardons les réponses et c'était extrêmement difficile puisque 99% des gens ont eu la mauvaise réponse. Si on regarde, voici le classement, l'Égypte, le Japon, les États-Unis et le Canada. Quand même bon. Assez surprenant. Je t'avoue que même moi, je suis surpris. Le Canada est au 5e rang des plus grands producteurs, consommateurs d'énergie au pays. Évidemment, on vit dans un endroit assez froid et l'été, c'est quand même assez chaud. Donc, on doit évidemment chauffer nos maisons l'hiver, ce qui fait en sorte qu'on consomme plus d'énergie. Mais ce n'est pas une excuse parce que d'autres pays nordiques, on pense à la Suède, à la Norvège, qui, eux, ont une plus faible consommation de nous. Il y a aussi le fait qu'on a un grand, grand territoire, donc on doit déplacer plus de choses d'un bout à l'autre du pays, ce qui a un impact sur la consommation d'énergie. C'était une question extrêmement difficile pour commencer. Est-ce que tu l'aurais eu, tu penses, Eric? Absolument pas. J'aurais probablement mis exactement l'ordre inverse. Que je sais pas si tu peux avoir des points négatifs, mais j'aurais été dans le négatif. Et vraiment, félicitations aux 1% qu'il a eu, les 3,5 quelques personnes en moyenne qui vont avoir eu la bonne réponse. Félicitations à vous. Et sinon, les 99% et moi inclus, on a mangé la claque, mais on est prêt à faire le rebond, Monsieur Eric, avec la deuxième question. Effectivement. Voici les deux personnes qui ont eu la bonne réponse. C'était le crabe joyeux et le petit oiseau adorable. C'est bon. C'est une bonne chose de fait. Crabe question joyeux. Numéro 2. Quelle est la source principale d'énergie au Canada, Monsieur Eric? Nos options sont... L'énergie nucléaire, le vent, l'hydroélectricité ou le charbon. 4 différents types d'énergie. Le nucléaire, le vent, l'hydroélectricité ou le charbon. Et faites attention avec l'hydroélectricité, c'est un système pour produire de l'électricité, mais ça ne veut pas dire mettre le grépin dans le bain. Ça, c'est oui de l'hydro et de l'électricité, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça, on le recommande vraiment pas. C'est pas ça qu'on veut dire. Hydroélectricité, c'est vraiment les barrages hydroélectriques, l'eau qui passe au travers de turbines et qui fait activer et qui crée de l'électricité. On en profite pour saluer Clara Demers qui dit bonjour de l'Equinox à Pembroke. Et également Caroline Côté qui est à Gisèle Lalonde et qui souhaite bonne chance au Titan. N'hésitez pas à continuer d'écrire dans les commentaires. Ça nous fait plaisir de vous lire. Il vous reste 2 secondes pour répondre. Maintenant, 0 seconde. 383 réponses. Et cette fois-ci, quand même un résultat impressionnant. 213 personnes ont eu la bonne réponse et c'était l'hydroélectricité. Vous savez, ces énormes barrages qu'on peut retrouver sur des rivières ici et là qui nous permettent de créer de l'énergie. On a la chance d'avoir plusieurs cours d'eau qui nous permettent de faire ce genre d'électricité au Canada. Donc, on est quand même assez chanceux. C'est une énergie qui est quand même assez propre, mais qui, évidemment, requiert beaucoup, beaucoup de ressources. C'est un gros projet de construction pour produire ces barrages-là. Ça peut prendre très longtemps à compléter et ça peut aussi avoir des impacts sur l'environnement autour parce que des fois on doit inonder des espaces qui sont habités, des fois qui sont occupés par de la faune sauvage et ainsi de suite, mais ça reste que c'est de l'énergie renouvelable tant aussi longtemps qu'il y a du courant, on peut en profiter. On regarde le classement avant de passer à la question suivante. Pour un changement, le zèbre rapide suivi de l'impala qui explose, là, qui saute, qui est vraiment vite, et du poney qui est un héros. Donc ça, c'est le podium pour l'instant. Et on remarque que le top 5, très, très, très peu de différence d'écart de points. On a seulement 3 points d'écart entre les deux. On enchaîne avec la production énergétique du Canada. Magnifique diapositive. Donc, la production d'énergie au Canada est majoritairement de l'énergie hydroélectrique, comme on le disait, à hauteur de 60%. Et on voit ici, c'est quoi les autres sources d'énergie qui sont utilisées au pays. On a 59% d'hydroélectricité, 15% du nucléaire, 7,1% du charbon, 11,3% du gaz, du pétrole et autres, et 7,4% de l'énergie renouvelable. On pense ici aux éoliennes, aux champs de panneaux solaires et ainsi de suite. On en profite pour saluer la 4-5e de Madeleine de Roybon. Hey, Kingston! Kingston, on poursuit à la question suivante. Un puzzle encore une fois. Placer ces pays en ordre croissant de leur production d'énergie.
les amis. La première fois, on s'est fait avoir 99% d'entre nous. Mais on change ça, là, c'est notre temps. C'est le temps du bounce back, comme on aime dire. Et en passant, M. Eric, j'ai fait la recherche Google. La traduction que tu cherchais tantôt, ce n'était pas explosé, non, c'était envolé. Envolé, c'est ça, qui s'envole. Bref, l'Impalex s'envole. On cherche le plus grand producteur, donc on cherche quel pays produit le plus d'énergie. Donc, on ne parle plus de consommation, on parle de production cette fois-ci. Est-ce que c'est le Canada, l'Italie, l'Angleterre ou les États-Unis? On va en profiter pour saluer une autre classe. Cette fois-ci, c'est la classe d'art visuel, le 9e de Gisèle Lalonde, qui s'amuse avec le quiz sur l'énergie. Bonjour à vous. Merci d'être à l'écoute ce matin. Merci à tous les 30 qui sont présents dans la classe d'art visuel. Donc, 5 secondes pour répondre. Regardons voir si nos amis ont eu la bonne réponse. On regarde ça. Encore une fois, on voit que les puzzles sont quand même assez difficiles. 13% ont eu la bonne réponse, donc 13%. L'ordre correct était l'Italie, l'Angleterre, le Canada et les États-Unis. Donc, c'est en ordre croissant. Donc, techniquement, les États-Unis, c'est les plus grands producteurs. Le Canada se retrouve juste là. Et finalement, le voici. Le voilà, c'est l'ordre qu'on cherchait pour cette troisième question. On va regarder la diapo qui nous explique juste après le classement. On va voir. Pour voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est le zèbre rapide. C'est le zèbre rapide qui maintient sa position sur le podium, suivi du pigeon créatif et de la chèvre fluorescente. Oh, ça, c'était une bonne traduction. Regardons maintenant cette diapo. Le Canada est l'un des plus grands producteurs d'énergie à l'échelle mondiale. En fait, il est sixième au total derrière la Chine et les États-Unis, qui sont premier et deuxième. Oui, on consomme beaucoup, mais on produit beaucoup. Donc, un équilibre jusqu'à un certain point, mais on peut toujours diminuer notre consommation d'énergie. Et on va en profiter entre-temps pour saluer la classe de Madame Guitare de 10e année à Mélile, toujours à Kingston. Donc, bonjour à vous. C'est que du plaisir. Est-ce qu'on continue? On va continuer la question suivante. Allons-y, là, on est prêt. Un quiz. La majorité de l'énergie utilisée par les Canadiens sert à quoi, les amis? Est-ce que c'est pour l'éclairage, chauffer leur maison, alimenter les appareils ménagers ou charger les appareils électroniques? Je sais qu'on charge souvent les téléphones cellulaires, mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on consomme beaucoup d'électricité? À vous de le dire, on vous a peut-être donné un indice un peu plus tôt dans une des réponses. Ooh. Donc, l'éclairage, chauffer leur maison, alimenter les appareils ménagers ou charger les appareils électroniques? C'est une bonne question. Tu sais quoi, un appareil ménager, c'est si tu penses à un fourneau, là, ça, c'est une grosse machine qui va convertir l'électricité en beaucoup de chaleur. Eh oui. Moi, j'y penserais deux fois là, à ces réponses-ci. C'est pas une question facile, mais j'ai confiance en vous. Il vous reste 10 secondes. Les réponses rentrent plus. On va vraiment vous donner l'entièreté du temps alloué. 5 secondes maintenant, 4 secondes. Allons-y. Quelle est la réponse? Eh bien, c'est chauffer leur maison. Félicitations, la majorité l'a eu, monsieur. Exactement. 224 personnes ont eu la bonne réponse. Comme vous savez, il peut faire froid l'hiver au Canada. Et quand il fait froid, ben, on doit chauffer nos maisons. Et c'est pas toujours évident de chauffer nos maisons. Peu importe le type de chauffage utilisé. Si on pense à du bois, par exemple, on doit couper le bois, faire brûler le bois. Le bois fait également des émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on le brûle. C'est la même chose que vous chauffez, par exemple, au gaz ou électrique. Ça demande une consommation d'énergie pour y arriver. Donc, c'est un défi, évidemment, que les Canadiens ont. Que peut-être que les gens en Équateur ont moins, mais eux, c'est la climatisation qui rentre en ligne de compte. Bref, à considérer le fait qu'on habite quand même au nord, il peut faire froid et on doit chauffer nos habitations, dis-je. Donc, exactement, 224 personnes ont eu la bonne réponse. Regardons le classement. Les zèbres rapides. Aucun changement sur le podium, mais on a le léopard d'Amazon qui vient de se faufiler en quatrième place. Excellent. Donc, on poursuit la question suivante. Ça, c'est la consommation d'énergie. Donc, on voit que le chauffage correspond à 64% des locaux. C'est quand même assez important. Il y a également le chauffage de l'eau. Par la suite, les appareils ménagers, ici à 3%, les éclairages et la climatisation des locaux à 38%.
Donc, on voit que c'est vraiment le chauffage, sans l'ombre d'un doute, qui occasionne le plus de consommation. C'est vraiment intéressant de voir ces chiffres-là, Monsieur Eric. Et on passe à la prochaine question. La consommation d'énergie par habitant au Canada est plus faible en 2020 qu'en 2000. Est-ce vrai? Est-ce faux? À vous de savoir, à vous de voter. Et les réponses rentrent à un rythme exceptionnel, extraordinaire, qu'on n'a jamais vu de l'histoire des Kahoot. Et on en profite pour saluer la classe de Karine Voyer de la 6A à Madeleine de Roybon qui participe avec enthousiasme. Il y a beaucoup de gens de Kingston dans la place. Donc, on les salue. Merci d'être avec nous. Il reste seulement 5 secondes. C'était ultra rapide pour le vrai ou faux. Et voilà, c'est faux! La consommation d'énergie par habitant au Canada n'est pas plus faible en 2020 qu'en 2000. En 2020, donc, c'est ça, intensité de la consommation d'électricité par type de choses qu'on utilise a quand même augmenté depuis 20 ans. Donc, il y a aussi le fait que la population a continué d'augmenter et il y a également de nouvelles technologies. Donc, on a plus en plus de choses électroniques qui se branchent à gauche et à droite. Ceci dit, il y a quand même des avancées qui se font. On a remarqué qu'on peut avoir des lumières qui consomment peut-être moins qu'en 2000 et ainsi de suite. Donc, on va y revenir avec des trucs et conseils un peu plus tard dans la diffusion. Aujourd'hui, regardons le classement. Oh, le léopard d'Amazon arrive ultra rapidement et se faufile en troisième place. Et également un changement avec la tortue mignonne qui se retrouve en quatrième place. Mais aucun changement sur les deux premières places. On poursuit. J'ai jamais vu le mot Amazon utilisé comme adjectif comme ça, Monsieur Eric, mais j'adore ça. Je pense que je veux changer mon nom à Monsieur Eric d'Amazon. Donc ici, on voit que la consommation par secteur a augmenté, mais l'intensité a diminué. Donc une nuance entre les deux. Voici ce que vous pouvez voir à l'instant. Donc une augmentation de l'utilisation énergétique, mais une diminution de l'intensité, ce qui fait en sorte que ça a eu un effet presque un truc. Qu'est-ce que l'énergie? Marée motrice, quelle grosse question. Ouf, est-ce que c'est l'énergie produite par la décomposition de nourriture? Est-ce que c'est l'énergie produite par les marais? L'énergie produite par le mouvement des vagues? Ou l'énergie produite par la fonte des glaces? Monsieur Eric, est-ce qu'on prend le temps de souligner d'autres groupes qui sont avec nous aujourd'hui? On va en profiter pour saluer les élèves de 9e année du Pavé qui participent aujourd'hui. Madame Drouin vous salue, donc bonjour et merci d'être à l'écoute. On va garder une prochaine salutation pour la prochaine question, mais n'hésitez pas à continuer de mettre vos commentaires dans la section commentaires. Ça nous fait plaisir de vous lire. Donc, les choix de réponse, qu'est-ce que l'énergie marée motrice? Est-ce que c'est l'énergie produite par la décomposition de nourriture, l'énergie produite par les marais ou l'énergie produite par le mouvement des vagues ou encore l'énergie produite par la fonte des glaces? 3 secondes pour répondre. On va voir la réponse dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est l'énergie produite par le mouvement des vagues. Donc, 87 personnes ont eu la bonne réponse. Ce n'est pas une question facile. Regardons, on va voir dans quelques instants c'est quoi. Regardons le classement avant. Oh, beaucoup de changements sur le podium. Le zèbre rapide se retrouve toujours en première place, mais il est talonné de la fourmi concentrée. Se concentre et de l'impala très avec beaucoup de classe. Donc, l'énergie marée motrice est produite par le mouvement des vagues dans l'océan. Il y a plusieurs projets présentement pour des centrales marée motrice en Nouvelle-Écosse qui pourraient alimenter presque tout le Canada en énergie. Et aussi, le mouvement des vagues, il y a aussi la marée qui monte, qui descend. Donc, on peut utiliser le mouvement naturel des eaux pour faire de l'énergie. Assez intéressant comme concept. À voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça au courant des prochaines années. Mais passons à la question suivante. La majorité de l'énergie produite au Canada provient de sources renouvelables, les amis. Est-ce vrai? Est-ce faux? Peut-être que je devrais le dire comme ça. La majorité de l'énergie produite au Canada provient de sources renouvelables? Vrai ou faux? 219 personnes ont déjà répondu. Faites vite. On va maintenant saluer la classe de 4e et 5e année de Charlotte Lemieux. Bonjour, classe. Salut. Madame Chandras
au plaisir de t'accueillir. Quelqu'un qui dit, malheureusement, ici, nous avons une journée d'intempéries. Ça, c'est dommage. Ça, c'est à Kingston années. Et à Trenton, c'est l'intempérie aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je comprends, malheureusement. Donc, le classement, 217 personnes ont eu la bonne réponse. C'était vrai. C'était vrai. La bonne réponse était la suivante. Regardons le classement. Zèbre rapide, toujours en première place. Dans le top 5, c'était particulièrement rapide, donc pas de changement. Dans le top 5, regardons la diapo qui explique le pourcentage d'électricité produite à partir de sources non émettrices au sein des quatre grands pays producteurs d'électricité et au Canada. Donc, au Canada, c'est quand même 82 %. On l'a vu tout à l'heure avec l'énergie hydroélectrique qui est considérée renouvelable. Ça fait en sorte qu'on a la possibilité de faire des avancées à ce niveau-là. Donc, beau travail, tout le monde. Vous avez eu la bonne réponse et on poursuit avec la question suivante. Sélection multiple. Lequel de ces sources d'énergie ne produisent pas de gaz à effet de serre? Hé là là, est-ce que c'est le gaz naturel? Est-ce que c'est l'énergie éolienne, le mot le plus compliqué de la vie que j'ai jamais capable de bien prononcer. Est-ce que c'est le charbon ou l'énergie nucléaire? Éolienne. Éolienne, tu l'as éolienne. Félicitations. Éolienne. Donc, on va en profiter pendant que tu te pratiques à saluer la classe de 5-6 à Franco-Jeunesse. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, ça, on l'a déjà dit. Ici, quelqu'un nous explique, ici à Kingston-Mellil, mais les élèves de 8e sont quand même venus pour le chaos. Ça, c'est le fun. Les gens trippent sur l'énergie. Ça a un rôle important dans nos vies. Donc, je suis content qu'on va en apprendre plus sur l'énergie au Canada aujourd'hui. Donc, je vous rappelle les choix de réponse. Le gaz naturel, l'énergie éolienne, le charbon et l'énergie nucléaire. Il vous reste très peu de temps pour répondre. Et voilà. Oh. 230 personnes ont eu la bonne réponse. En fait, plus que ça, puisqu'on on cherchait deux choix de réponse ici. Donc, lesquelles de ces sources d'énergie ne produisent pas de gaz à effet de serre? On parle de l'énergie éolienne, évidemment, et de l'énergie nucléaire. Quoique l'énergie nucléaire, nous avons tout de même un défi qui est le storage des résidus nucléaires qui doivent être entreposés de façon sécuritaire et qui reste radioactif pour quand même plusieurs années. On cherche des solutions pour trouver des façons de le stocker plus efficacement, de potentiellement les enterrer, mais la radioactivité va rester quand même. Les envoyer dans l'espace, monsieur Eric. Envoie ça sur Mars avec Elon Musk. C'est une autre possibilité. Je te propose d'écrire aux gens qui s'occupent des centrales nucléaires ontariennes pour ce plan. Évidemment, l'énergie éolienne, c'est le vent, donc ça ne fait pas beaucoup d'émissions. Donc, un classement, le zèbre rapide se retrouve en première place, il y a très peu de changements. Il accentue son avance quand même, près de 600 points d'avance. Par la suite, nous avons un chat fluorescent, non pas un chat, une chèvre fluorescente et un léopard d'Amazon. Et on en profite pour saluer la classe de 9A à Pierre de Blois, classe de Madame Castonguay. Bonjour à vous. Question suivante. Quelle est la consommation d'énergie d'une télévision en veille? Est-ce que c'est 50% la moitié que lorsqu'elle est allumée? Est-ce que c'est 100% la même chose que quand elle est allumée? Est-ce que c'est 5 à 10% juste une toute petite affaire ou est-ce que c'est 0%? Il n'y en a pas de consommation. C'est à vous de Donc, choisir. En veille, c'est ça. À veille. Pas 100% fermée. Elle est encore branchée. Mais elle est en stand-by, si on veut dire. À chill, monsieur Eric. À chill, la télé. Elle attend. Regardons voir si les gens peuvent deviner. Moi, de mon côté, je ne suis même pas certain, donc j'ai hâte de voir ce que les gens vont dire. À la limite, je ne sais même pas c'est quoi une télé, j'en ai jamais vu de ma vie. Je ne te crois pas. Ouais, c'est pas vrai, j'ai menti, désolé. Mais nous avons une classe ici, la classe 5-6e du pavé qui nous salue et nous les saluons également à notre tour. Bonjour à vous. Allô. Et lui ici qui veut qu'on pose le chaos puisqu'il a froid, il cherche sa petite laine. Mais profitez-en entre deux questions pour y aller. Et c'était 5 à 10 %. 113 personnes ont eu la bonne réponse.
Félicitations. C'est vraiment la catégorie qui a eu le plus de bonnes réponses, 5 à 10 % ce qui veut dire que même si votre télé est en veille, il y a toujours une consommation d'énergie qui se fait pendant votre absence. Monsieur Eric, notre ami qui est allé chercher sa petite laine et qui nous a demandé de faire le pause du code nous laisse savoir qu'il est de retour. Fait qu'on peut continuer, il nous donne permission. Merci beaucoup. Continuer. Je suis vraiment content de savoir que tu es maintenant au chaud et que tu profites de la journée de la petite laine pour en apprendre davantage sur l'énergie, l'énergie au Canada, tout simplement. Donc ça, c'est l'occasion de vous rappeler de peut-être éteindre complètement vos ordinateurs et vos écrans lorsque vous ne les utilisez pas, puisque c'est la même chose pour un écran d'ordinateur aussi. Il y a toujours cette consommation passive. On peut dire la même chose pour d'autres types d'équipements électroniques. Et si vous ne vous en servez pas, vous pouvez les débrancher. Ça fait en sorte qu'on diminue quand même de 5 à 10 % la consommation d'énergie. Monsieur Eric, avant de passer à la prochaine question, est-ce que je peux annoncer aux participants le prix qu'ils peuvent gagner en gagnant ce Kahoot-ci? Est-ce que c'est un bon temps? Non. Quoi? Ben oui, si tu veux. OK, vous avez la chance, mesdames et messieurs, d'avoir une et unique balle de basket moisie. C'est pour vous, le gagnant ou la gagnante. C'est la seule qui se retrouve au monde entier, une balle de basketball complètement moisie. Ça peut être à vous, vous devez seulement gagner ce Kahoot. Wow! Vraiment chanceux. Au niveau des classements, le Zèbre Rapide est en première place, toujours aucun changement. Mais il y a eu des changements au niveau des deux autres plis suivants, des autres positions suivantes. Nous avons un Lemming Brave et un Panda Wonder là, qui est formidable. Donc, les objets électroniques en veille consomment beaucoup d'énergie. L'ensemble des émissions de GES des particules en veille en Amérique, des articles en veille en Amérique du Nord représentent près de 44 millions de tonnes de CO2. Donc, c'est beaucoup. Profitez-en pour débrancher vos appareils électroniques. Quelle est la meilleure option pour réduire sa consommation d'énergie? Justement, on est dans ce sujet. Est-ce que c'est faire la lessive à l'eau froide? Est-ce que c'est éteindre les lumières pendant la journée? Ou est-ce que c'est débrancher nos électroniques qui ne sont pas utilisées? Ici, on vous donne 3 choix de réponse. Donc, vous êtes capable de le faire. Vous êtes en mesure. Saluons la classe 6A de Michel Dupuis. Donc, le choix de réponse, faire la lessive à l'eau froide, éteindre les lumières pendant la journée, débrancher nos électroniques qui ne sont pas utilisées. Et combien de temps qu'il nous reste? 18 secondes. Est-ce que... Tu vois, là, c'est différent parce que c'est juste 3 réponses. Puis moi... étant habitué de voir soit des vrais ou faux, soit 4 réponses. Quand il y en a juste 3, mon cerveau peut pas... C'est difficile, mais on va voir si les gens avaient raison. C'est parti. Et c'était débrancher nos électroniques qui ne sont pas utilisées. Vous avez pas eu la bonne réponse, tout le monde, mais quand même pas si mal. C'est ça. Il y a 102 personnes qui l'ont eu. Éteindre les lumières, c'est une autre façon. Il y a différentes façons de faire, évidemment. C'est pas toutes ces choses-là permettent de réduire la consommation d'énergie, mais on voulait savoir la meilleure option. Oui, faire la lessive à l'eau froide, ça, c'est faire le lavage et à ne pas confondre avec faire la vaisselle à l'eau froide parce que ça va créer des doigts très froids. Froid. Donc, le classement, le Zèbre est toujours en première place. Je pense que le Zèbre sera difficile à détrôner, suivi du Canard Vert et du Lemming Brave. Donc, regardons ce qu'on peut faire avec la question suivante. Laquelle de ces activités consomme le plus d'énergie? Est-ce que c'est envoyer des courriels? Est-ce que c'est sauvegarder des photos dans le cloud? Est-ce que c'est envoyer un texte, texto? Est-ce que c'est regarder des vidéos en ligne? Quelle consomme le plus d'énergie? C'est quand même une grosse question. C'est pas évident comme question parce que des fois, on pense qu'on envoie un texto ou qu'on écoute une vidéo sur l'Internet. Ça n'a pas d'impact direct sur l'énergie, mais détrompez-vous, on va l'apprendre dans quelques instants. L'ensemble de ces choses ont un impact sur notre consommation d'énergie. Détrompez-vous! Wow! Détrompez-vous, les amis! Exactement. Détrompez-vous. Regardons ce qu'on peut faire. Il nous reste 13 secondes pour répondre. Les choix de réponse. Envoyer des courriels, sauvegarder des photos dans le cloud, envoyer un texte ou regarder des vidéos en ligne.
Wow. Deux secondes. Détrompez-vous. Et la réponse, c'était de regarder des vidéos en ligne. Ça, c'est important de comprendre que tout ce qu'on fait sur l'Internet demande une consommation d'énergie. Un facteur simple, c'est évidemment la consommation de l'appareil sur lequel tu l'écoutes. C'est certain, si tu l'écoutes sur un ordinateur, une télé, un téléphone, peu importe, ça consomme de l'énergie. Mais il y a aussi le facteur que des sites comme YouTube ou peu importe le site que vous utilisez pour écouter des vidéos doivent avoir des serveurs à quelque part dans le monde. Ces serveurs-là consomment beaucoup, beaucoup d'énergie parce qu'on doit refroidir à l'année longue les salles pour éviter un surchauffement des serveurs, donc avec la climatisation. Donc, c'est toutes des choses qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui ont un impact sur la consommation totale d'énergie. Même chose pour les clouds, comme on peut dire. C'est encore une fois des serveurs qui sont à quelque part dans le monde et on doit les refroidir. Donc, ça prend quand même beaucoup d'énergie. L'ensemble de la toile, l'Internet, à prendre en considération lorsqu'on navigue sur Internet. Donc, bonjour de la classe 7F à Gisèle Lalonde. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on arrive à la dernière question possiblement. Wow! Votre Regardons. Dernière chance pour gagner le ballon de basket moisi, les amis. Il y a 4 joueurs qui viennent de faire un combo de 5 bonnes réponses. Ça, c'est pas wow! Bien. Mais en première place, c'est toujours le zèbre qui trône au sommet. Mm-hmm. Est-ce que quelqu'un va pouvoir le dépasser? Il faudrait un catastrophe, monsieur Rick, de la part du zèbre rapide pour que quelqu'un le détrône. Il y a quand même 1982 points d'avance, là, donc ce n'est pas rien. L'empreinte virtuelle, regarder des vidéos en ligne génère 36 grammes de CO2 par heure, l'équivalent de charger son téléphone 4,5 fois. Ce n'est pas rien à garder en tête. Wow! On enchaîne avec un puzzle. Placer en ordre croissant de production les énergies vertes présentes au Canada, les amis, en ordre croissant de production, qui veut dire du plus petit au plus gros. Et décroissant, c'est l'opposé. Du plus gros au plus petit. Et décroissant, ça, c'est comme un bon déjeuner en France. Monsieur Ray? Exactement. Et donc, les choix de réponse, vous les voyez, hydroélectricité sur 2 lignes, éolienne, solaire ou biomasse. Voici les choix de réponse. Pour vous. Il reste encore 34 secondes. Je sais qu'il y en a dans la foule qui sont plus focus sur le ballon de basket moisi que sur n'importe quoi d'autre. Et pour vous, je vous donne l'angle idéal pour avoir une belle optique du ballon de basket moisi. Il est là, vous le voyez, c'est votre chance. On essaie de détrôner le zèbre rapide? Le zèbre? Le zèbre. Le zèbre qui est en première place. Le zèbre en première place. Qu'on essaie de détrôner. Donc, profitez-en pour essayer de détrôner. Je doute que ce soit possible, mais on sait jamais. Wow! Les puzzles sont beaucoup trop difficiles, c'est ce qu'on constate. Oui. 4% des gens ont eu la bonne réponse. L'ordre correct était solaire, éolienne, biomasse et hydroélectricité. Donc, en ordre croissant, on l'a dit à plusieurs reprises que l'hydroélectricité était notre mode principal d'énergie au pays, soit environ 60% pour le solaire, l'éolienne et la biomasse. C'est des technologies relativement nouvelles qui nous permettent également de produire de l'énergie verte. Donc, si vous vous demandez c'est quoi la biomasse, la biomasse est une source importante d'énergie au Canada. Dans le domaine de l'énergie, la biomasse, c'est la matière organique d'origine végétale, que ce soit des déchets qu'on utilise ou des micro-algues, des animaux, des flores bactériennes, des champignons, peu importe. Avec cette énergie, on fait de la combustion directe qui crée de l'énergie par le feu jusqu'à un certain point, donc par combustion après un processus de transformation de la matière première. On crée du biogaz jusqu'à un certain point et ça nous permet de chauffer, d'utiliser ça pour faire du chauffage et autres. Une technologie qui nous permet de réutiliser des déchets, des choses qu'on utilise pour produire de l'énergie. Donc, Monsieur Rix, ça c'était beaucoup de mots. Oui, c'était beaucoup de mots. Maintenant, vous comprenez sûrement peut-être pas plus c'est quoi de la biomasse.
mais c'est l'utilisation, en gros, l'utilisation de déchets pour créer l'énergie sous forme de combustion en le brûlant. La flore bactérienne. Ici, on se retrouve avec le zèbre en première place avec 10 470 points. Suivi du canard vert et du lemming brave, ce qui nous fait dire qu'il reste probablement une dernière question. Donc, la biomasse est une source d'énergie tirée d'organismes vivants à 23,6% de la production d'énergie verte au pays. Wow! C'est ça. Vive la biomasse! Ouais, la biomasse. Sélection multiple, les amis. Avez-vous appris quelque chose de nouveau avec ce quiz? Oh mon Dieu, vrai ou faux, c'est à vous de savoir. En tout cas, moi, oui, j'ai entendu des phrases que je ne vais jamais oublier, que je vais utiliser à mon quotidien. Je te le souhaite. Donc, c'est parti pour ça. Surtout la flore bactérienne. Ça, j'ai bien aimé. Ah ouais, ça, la flore bactérienne, là. Ça, c'est le fun. Et il y a 51 personnes qui n'ont rien appris, des experts qui connaissent 100% des choses d'énergie. Je suis vraiment content de vous savoir avec nous aujourd'hui parce que l'avenir repose entièrement sur vos connaissances. J'espère que vous allez pouvoir sauver notre planète avec vos connaissances sur l'énergie. Pour les 186 autres, je pense que vous allez pouvoir appuyer vos collègues qui connaissent tous et bien faire, appliquer certaines choses que vous avez apprises aujourd'hui pour diminuer votre consommation d'énergie. On poursuit une dernière fois à regarder le classement. Merci de votre participation. C'était présenté par le programme éco-responsable. Je remercie l'équipe de Mme Campo, également de M. Philippe Tremblay et également M. Michaud Wallin qui sont responsables du programme éco-responsable au Conseil. Nous, évidemment, on était juste ici pour animer le chaos avec vous, présenter deux animateurs culturels qui animent le chaos créé par nos collègues. Donc, on va pouvoir enchaîner immédiatement, regarder le classement final qui va comme suit le podium. En troisième place, nous avons le Lemming Brave. En deuxième place, le Canard Vert. Et évidemment, en première place, sans surprise, le Zèbre Rapide qui se faufile avec quand même 1982 points d'avance. Assez impressionnant. Merci. Le ballon sera à ta portée un jour. Si tu vas du côté de Cornwall, tu pourras jouer avec quelques parties. Je ne sais pas à quel point c'est une bonne idée que je le touche. Donc ici, on a Madame Larocque-Germain qui félicite le comité organisateur. Merci pour votre travail. Et ici, des gens qui nous remercient, nous. Quelle chance est-ce que nous avons aujourd'hui de pouvoir vivre ça ensemble. Donc, avant de se quitter, regardons rapidement quelques conseils pour réduire notre consommation d'énergie. Donc, en voici quelques-uns. Lavez vos vêtements à l'eau froide puisque ceci permet d'économiser jusqu'à 50% d'énergie. Ce n'est pas rien et ça a été prouvé que c'est aussi efficace de laver à l'eau froide qu'à l'eau chaude. Donc, n'hésitez pas de faire ce changement et de vous rendre à l'évidence. Si ce n'est pas vous qui faites votre lavage, ben, vous pouvez l'écrire à vos... parce que vous pouvez aussi parler à vos parents puisque souvent sont près de vous. Donc, vous pouvez leur dire de laver vos vêtements à l'eau froide. Ce sera apprécié. S'il vous plaît, n'envoyez pas de courriel à vos parents. Exactement. Prochain conseil, Eric. Éteindre tous les appareils en veille. Ça permet d'économiser jusqu'à 10% d'électricité, les amis. Exactement. Donc, assez impressionnant. Merci. La question suivante qui... pas la question, c'est fini le caout, là. Mais les conseils suivants sont... Évitez d'éclairer ou de chauffer des pièces inoccupées. Donc, fermez les portes de ces pièces. Si jamais vous avez une pièce dans votre maison que vous allez très rarement, vous pouvez fermer la pièce, la porte et fermer le chauffage dans ces pièces-là et seulement le réactiver lorsque vous utilisez cette pièce. Encore une fois, un conseil que vous pouvez faire pour pouvoir donner à vos parents. Et sinon... Puis écoute, c'est vraiment pas compliqué. L'hiver, vous pouvez laisser les rideaux ouverts le jour parce que le soleil va aider à chauffer votre maison. Et le soir, vous pouvez les fermer puisque ça va créer une couche d'insulation de plus dans vos maisons, les amis. Le jour, on les ouvre. Le soir, on les ferme. Les rideaux, c'est des tout petites actions qui peuvent faire une différence. C'est exact. Et on poursuit avec d'autres conseils. Utilisez des ampoules LED. Pas LED comme étant pas belle, mais LED du type LED, là, DEL.
LED ou DEL. Donc, c'est des types d'ampoules que vous pouvez utiliser. Ils consomment de 5 à 10 fois moins d'énergie et durent 20 à 50 fois plus longtemps. Donc, c'est quand même pas rien, là. C'est beaucoup d'ampoules. C'est beaucoup d'ampoules qu'on peut économiser puisque la durée de vie est beaucoup plus longue. C'est ça, à garder en tête. Aussi, les amis, mettez les couvercles sur vos casseroles pendant la cuisson. Ça va réduire la durée de la cuisson. La chaleur va rester dans ce mini-environnement-là et l'humidité va pas être partout dans votre cuisine. Cependant, faites attention que ça ne va pas débouillir et aller partout sur votre fourneau. Et ça aussi, c'est un message que vous pouvez rajouter dans le courriel que vous allez envoyer à vos parents. Commencez avec la lessive, finissez avec le couvercle dans la cuisine. Ils vont être vraiment heureux que vous leur dites quoi faire et quand le faire. Et aussi, j'en profite pour vous expliquer c'est quoi le mot technique d'ampoule DEL. DEL, c'est de diode électroluminescente. Donc, ça, c'est en français DEL, diode électroluminescente. À garder en tête si jamais vous voulez utiliser un mot vraiment difficile pour impressionner des amis. Diode électroluminescente. Et finalement, baisser la température du chauffage d'un degré Celsius peut réduire la consommation d'énergie de la maison jusqu'à 10. Wow! Ça, c'est pas rien. Puis moi, M. Eric, je chauffe ma maison à 28 degrés. Est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais. Je te recommande de descendre ça à 20, 19 même. Vous pouvez... À 19, on vit bien quand même. Là, donc... Ça fait en sorte que vous diminuez jusqu'à 10 % de consommation d'énergie, ce n'est pas rien. Donc, ça, c'est quelques conseils qu'on avait pour vous aujourd'hui. Donc, merci. J'espère que vous allez appliquer ça dans la vie de tous les jours. Et sinon, petit rappel aux enseignants, allez faire un tour sur le site de la Journée de la Petite Laine pour d'autres ressources. Je vous mets à l'instant dans les commentaires le lien pour le site web si jamais vous voulez vous y rendre. Il y a plusieurs ressources, les infographies qu'on vient tout juste de vous présenter, une affiche à partager si vous voulez. Et également, n'oubliez pas cet après-midi pour les élèves de la première à la quatrième année. Il n'y en a peut-être pas avec nous aujourd'hui, mais on va avoir une diffusion avec l'auteur franco-ontarienne André Poulain. Et également, il y a les consignes pour le concours en lien avec la Journée de la Petite Laine. Donc, allez faire un tour sur le site prévu pour l'événement. Ça, là, c'est vraiment des vrais prix qui vont au-delà d'un ballon de basketball moisi. Donc, allez faire un tour là, sur le site que j'ai mis dans la section commentaires pour découvrir un peu plus de choses sur la Journée de la Petite Laine. Comme vous le savez, le chauffage, la température a été diminuée dans nos écoles, donc on porte une petite laine et on fait une différence, quelque chose que vous pouvez appliquer à la maison dans votre vie de tous les jours. Donc, prenez les conseils qu'on vous a donnés. C'est ce qui met fin à cette diffusion du quiz K-Out de la Journée de la Petite Laine. J'en profite pour te remercier, M. Eric, pour l'animation de ce magnifique K-Out. Et de la part de tout le monde qui a écouté, merci à toi, M. Eric. Merci beaucoup. Puis, on salue également le comité organisateur qui a permis de créer l'événement aujourd'hui, soit Mme Julie Campeau, M. Pierre Michaud Wallin et également Philippe Tremblay. Donc, merci à eux et allez faire un tour sur le site web. On vous laisse avec la petite vidéo d'introduction qui servira cette fois-ci de conclusion. Ouh!